Bonjour, je suis Hélène, je travaille aux ateliers Babou depuis 8 ans. Je suis technicienne de fabrication et je m'occupe de tout ce qui est devis, planning et fabrication en interne, donc donner les instructions sur les caractéristiques techniques des ouvrages. Aux ateliers Babou, nous sommes la dernière étape de la fabrication de l'ouvrage. Nous recevons nos commandes de la part des éditeurs ou de certains imprimeurs qui sont maîtres d'ouvrage sur la fabrication. Donc ils s'occupent de l'impression et de trouver un relieur qui permettra de fabriquer le livre. Certains éditeurs nous appellent afin d'avoir des conseils techniques et des conseils de présentation. La collection de la Pléiade existe depuis 1931, toujours présente. Donc c'est vrai que c'est une très vieille collection qui fonctionne toujours, qui est très appréciée des professeurs, qui les annotent. Quelle horreur, écrire sur un livre. Pour fabriquer une Pléiade, il nous faut à peu près 3 semaines de délai entre la réception du papier et la livraison à la Sodis, qui est le distributeur de Gallimard. C'est quoi l'idée de faire une bibliothèque de la Pléiade? On dit souvent que c'est la collection idéale où on met le patrimoine d'un honnête homme. Ben effectivement, on dit aussi qu'un auteur qui passe en Pléiade, il est un peu panthéonisé, une sorte comme ça de consécration. Ça devient une valeur sûre. Donc le fait de relier et de l'habiller de cuir redonne ce statut-là, aussi d'objet presque indestructible, on ne va pas dire éternel, mais bon, indestructible, durable et transmissible. Effectivement, sur la collection de la Pléiade, il y a des couleurs qui sont attribuées à des siècles ou à des périodes. Nous avons le gris pour tout ce qui est livre de religion, nous avons le violet pour tout ce qui est Moyen-Âge, par exemple, et le XXe siècle est en marron, le cuir havane. Et comme vous avez pu le voir certainement, il y a une petite pièce verte qui est frappée en dorure pour pouvoir avoir une meilleure lecture de la dorure à l'or fin, car la dorure sur le cuir marron ne se verrait pas très bien sans cette petite pièce verte. Donc effectivement, dans l'atelier, il y a à peu près une dizaine de métiers qui sont représentés, plus les parties administratives. Nous sommes 33 personnes actuellement dans l'atelier. Les libraires ont été invités chez nous aujourd'hui afin de mieux saisir la fabrication d'une Pléiade, toutes les différentes opérations sur lesquelles nous travaillons, afin de mieux expliquer également à leur clientèle la fabrication d'un tel ouvrage. Je vous laisse faire le tour de l'atelier avec notre directeur Michel Jandel. La première opération permettant de fabriquer la couverture. La couverture, c'est quoi? C'est deux plats carton, une carte de dos, de la matière de couvrure, de la colle, et on se retrouve avec la couverture. On fabrique la Pléiade avec une matière de couvrure qui est un petit peu une matière particulière, puisque c'est du cuir. C'est du cuir véritable, c'est du mouton. Donc en clair, une commande Pléiade à traiter, on sort la quantité nécessaire, on va dérouler ces pots pour les disposer sur des chevalets, de manière à ce que le cuir se détende, qu'il se déplisse, qu'il n'y ait plus de plis à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, on va donc effectuer la coupe sur cette machine-là. Le principe de fonctionnement, le rétroprojecteur qui se trouve en haut, source lumineuse, là, va projeter par l'intermédiaire de l'écran, va projeter sur la peau un faisceau lumineux ayant la forme à découper. Et avec la souris, on va artificiellement faire varier le positionnement de ce faisceau lumineux. Pour dire, voilà, cet endroit-là, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de cicatrice, tout est bien, paf, je pose là, c'est bon, c'est là que je vais découper. Donc c'est l'opératrice qui est responsable de ce placement-là. Lorsque le placement est optimum, elle va valider sa coupe. L'outil de découpe va se positionner au-dessus de la peau qui a été préparée et la machine va suivre son programme numérique et va effectuer l'ensemble des découpes en temps masqué. Je sais que les gens trouvent que c'est une très belle collection, effectivement. Je suis très fière de travailler sur ce genre d'ouvrages qui restent dans le temps et qui restent dans une très belle bibliothèque.